monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la petite vidéo explicative de ce que je vais faire avec vous au mois d'avril. Vous vous rappelez, dans le thème du mois, je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de thème ce mois-ci puisque je fais une activité avec vous. Donc, toutes celles qui ont envie de participer, j'ai un groupe Instagram qui a été créé pour ça. Donc, je vous mettrai les informations en barre d'infos pour que vous puissiez vous retrouver. Donc, c'est un groupe de discussion où est-ce qu'on peut tout discuter ensemble. Vous pouvez publier le colo que vous allez commencer, le colo que vous avez fini. Si vous pouvez demander aux filles du groupe si elles ont envie de faire un duo avec vous, vous partagez l'image que vous allez faire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Si on est bloqué dans un élément, dans un colo ou un élément qu'on comprend pas, on peut le publier dans le groupe, les filles vont nous aider et je vais régulièrement aussi aller dans le groupe. C'est sûr que je pourrai pas lire tous les messages parce que ça placote beaucoup. On est déjà une centaine dans le groupe, donc merci à toutes celles qui participent. Et là, je vous ai même pas dit de quoi qu'est-ce que j'allais faire. C'est que au mois d'avril, je vais faire qu'un mois coloriage 100% Kirby Rosanne. Bon, à part les petites exceptions là de fil rouge, mais sinon le reste, je vais faire que du Kirby. Donc, c'était la petite vidéo explicative et en même temps, je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai sélectionné dans mes livres de Kirby. Et je vais vous montrer ceux que j'ai. Donc, j'ai le Fragile World. Vous savez qu'on a la page de Maggie ici qui nous a choisi ça, pour ceux qui suivent le choix de Maggie. Donc, si vous suivez le choix de Maggie et que vous avez envie de participer à faire du Kirby Rosanne avec moi en avril, ben vous pouvez venir me publier ça dans le groupe. Et je vous demanderai, les filles, s'il vous plaît, de partager que des colos de Kirby Rosanne pour le mois d'avril. Et à la fin du mois d'avril, je vais vous demander combien de colos vous avez réussi à faire dans le mois. Là, attention, c'est pas une course, c'est juste pour voir si, en se concentrant sur un seul artiste dans un mois, on arrive à bien avancer nos livres ou pas. Donc, voilà, c'est un peu ça, l'activité. Donc, ce que je vais faire, moi, à chaque fois que je commence un colo, je vais vous le publier. Quand je le finis, je vais aussi vous publier mes avancées dans mon colo. Donc, s'il y en a que je vous publie et que vous avez envie de les faire avec moi, ben n'hésitez pas, ça va me faire super plaisir. Donc, tout ça, ça se passe dans le groupe Instagram. Ce n'est pas dans la banque Colo de Zazou. Je voulais vraiment détacher les deux activités pour que ce soit plus facile pour moi de vraiment suivre cette activité-là. Et le mois prochain, on va changer le nom du groupe. Le groupe va rester le même, mais je vais changer le titre puisque le mois prochain, on va choisir un autre artiste à avancer dans tout le mois. Donc, ça va être un peu ça. Je sais pas pour combien de temps je vais réussir à tenir ça parce qu'en temps normal, moi, je me promène dans tous mes livres. Je vais un peu partout et je veux voir là si j'arrive à m'y tenir à juste un artiste par mois avec quelques petites exceptions. Donc, pour le mois prochain, je suis pas encore décidée. J'hésite beaucoup entre Maria Troll, parce que je vais pas souvent dans Maria Troll, Lulu Mayo ou Iri, un de ceux-là, ou peut-être même Camila Derico, je sais pas, on va voir. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné dans mes livres de Kirby, donc peut-être que ça va vous donner des idées, peut-être qu'il y en a que vous allez avoir envie de faire avec moi. Je sais très bien que tout ce que j'ai sélectionné, j'aurai pas le temps de tout faire, c'est vraiment juste pour éviter que je me mette à chercher toujours dans les livres, et peut-être aussi que parmi ceux que j'ai choisis, je vais en faire d'autres que j'ai pas choisis. Tout dépend de ce que les filles publient dans le groupe, peut-être qu'une fille va publier quelque chose et ça va me donner envie de le faire avec elle. Donc, si vous suivez aussi tous les autres défis qui pourraient avoir rapport avec Kirby Rosanne, vous pouvez aussi me les publier dans le groupe puisque ben c'est un groupe pour Kirby et vous faites juste me dire au pire parce que je sais que ma copine Mélissa va avancer le Mythomorphia. Donc, si vous suivez son défi, vous pouvez aussi venir le publier dans le groupe, ça va me faire super plaisir. Donc, on va y aller avec la pack que j'ai fait pour Kirby. Donc, j'ai le Fragile World, le Mythomorphia, le Mythic World, le Imagimorphia, le Alien World. Et j'ai racheté trois des livres de Kirby que je n'avais plus. J'ai racheté le Géomorphia, le Monde Secret et le Fantomorphia. Et j'ai aussi le Animorphia. Donc, j'ai sélectionné des colos dans tous ces livres-là. Comme je vous dis, j'aurai pas le temps de toutes les faire, ça c'est certain. Regardez-moi toutes les post-it de tout ce qui me donne envie dans Kirby. Il y a des doubles pages, il y a des pages simples, il y a des pages plus compliquées, il y en a qui sont moins. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné. Bon, j'espère que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser dans le groupe Instagram.
Donc, là, le Animorphia, ça, c'est un livre que j'avais donné à mon fils, mais comme il coloriait pas dedans, je lui ai demandé, ça te dérangerait-tu si je reprends le livre? Il m'a dit, prends le livre, moi, je colore pas. Fait que, j'ai choisi le petit perroquet. Bon, il y a beaucoup de doodles. Je veux voir comment je pourrais me débrouiller avec ça pour peut-être soit les intégrer à la colorisation ou tout simplement les effacer. Je sais pas trop, on verra, mais je l'aime bien, le petit perroquet. Ensuite, j'ai sélectionné les petits caméléon, je sais pas, j'ai vraiment envie de les faire et ça a l'air gros comme ça, mais je pense pas que ça serait si long que ça à faire. Donc voilà. Et j'ai aussi sélectionné les coques. Ça fait super longtemps que j'ai envie de colorier des coques. Donc voilà, j'ai sélectionné ces deux-là. Je sais pas si je vais faire les deux. Ça se peut que je fasse juste une page parce que c'est... Oui, c'est considéré comme une double page, mais la seule affaire qu'il y a, qui ramène sur l'autre côté, c'est le petit bout ici. Je pourrais le travailler juste en une page, puis au pire, venir faire le coq suivant un peu plus tard. Je sais pas, mais là, pour l'instant, j'ai sélectionné la double page. Donc ça, c'est pour le Animorphia. Et là, les colos que je vous montre, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez colorier ce que vous voulez de Kirby. C'est vraiment un mois, je colo Kirby avec Zazu. Vous les faites juste si vous en avez envie, ceux que j'ai sélectionnés. Comme je vous dis, je vais probablement pas toutes les colorier. Et vous faites ce que vous voulez, tant que c'est du Kirby. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vous montre. C'est vraiment juste pour vous montrer ce que moi, j'ai envie de faire pendant le mois d'avril. Dans le Fantomorphia, j'en ai sélectionné plusieurs. Donc, j'ai pris le château ici. Je l'avais déjà colorié il y a bien longtemps, parce que comme je vous dis, j'ai racheté ce livre-là, parce que moi, j'avais gardé juste 4 livres de Kirby. Il y en avait plein que j'avais donné parce que je me disais, oh, je colorierai pas du Kirby, puis là, maintenant, j'ai trop envie d'en colorier. J'en ai fait au mois de mars et je me suis amusée comme une folle. Donc, voilà, j'ai plus peur de faire du Kirby, donc je me suis racheté le Fantomorphia. Ensuite, j'ai sélectionné celui-là. Je pense pas qu'il serait si long que ça à faire. C'est du feuillage. J'en ai déjà fait dans d'autres livres qui en avaient plus que ça et ça se faisait très bien. Ensuite, j'ai sélectionné l'arme. Ça, je vais vous le dire. Sûr qu'il y a forte chance que je les fasse plus que d'autres. Celle-là, je veux vraiment la faire. Donc, voilà. Et j'ai aussi sélectionné le sablier. Donc, voilà. Pour le Fantomorphia. Dans le monde secret, j'en ai sélectionné 5, je vous dis, j'ai des idées de grandeur. Donc, j'ai pris celle-là, c'est quasiment sûr que je vais la faire, la petite tortue avec la maison hantée, là, j'ai des idées. Donc, voilà pour lui. J'ai sélectionné l'œil de dragon. Ça va être quand même assez facile à faire aussi. La pomme, ça, je vais vraiment la coloriser, je suis presque certaine de la faire. Ensuite, l'aigle ici, j'aimerais trop le faire celui-là aussi, puis c'est pas un colo aussi long, là, je pense 2 jours c'est fini, là. Fait que ça va. Et ensuite, j'ai sélectionné les petites licornes, lui, il est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a plus des petits détails, mais déjà là, vu que c'est tout petit, ça fait pas des gros dégradés à faire, donc ça peut se faire plus rapidement qu'on pense. Donc voilà pour le monde secret. Que j'ai pris en édition marabout et je suis un peu déçue parce que le papier est plus mince que les plumes. Ensuite, Géomorphia. Oh my god! Pourquoi j'ai une... J'ai-tu oublié de... Ah non, ok. Je pensais que j'avais oublié dans mes coloriages terminés puis j'avais fait une page, c'est que je... J'avais mis des post-it comme ça pour mes coloriages terminés pour pas me tromper. Parce que comme j'avais fait déjà ma pack de Kirby... Je pensais que j'avais oublié un colo, mais non. Bon, j'ai sélectionné celui-là, le château de cristaux. Je pense bien le faire, c'est presque sûr. Celle-ci, l'octopus, vous voyez, celle-là est un peu plus compliquée. Un petit peu plus de détails dedans, mais c'est tout petit. Donc, ça peut se faire assez vite. Et l'autre, c'est les petites carpes ici, avec les édifices. C'est le Japon, ça, je pense. La Japon ou la Chine, je mélange tout le temps les deux. Donc, voilà, j'ai sélectionné ceux-là. Ensuite, dans le Alien World, j'en ai pris qu'un seul. Je pense que le Alien World, c'est le plus compliqué des livres de Kirby. Je trouve qu'il est très détaillé et j'arrive pas trop à me plonger dedans pour le moment. Donc, j'ai pris la page qui me paraissait le plus simple. J'ai pris celle-là. Je pense que je pourrais bien m'amuser avec les couleurs, faire un univers un peu féerique. J'en avais déjà colorié un, par exemple, dedans, mais c'était une autre page toute simple, là. C'était celle-là, ici. Mais bon, ça pourrait être pas pire de retourner dedans.
Peut-être même faire l'astronaute. Je pourrais le sélectionner. Il est un peu moins compliqué que d'autres qu'il y aurait dans le livre. Voyons, je vais-tu arriver à prendre mon post-it? Je vais le mettre. Je vais en sélectionner deux au moins là, dans le Alien. Et lui, je pense bien le faire. Hein. Je pense bien que c'est une valeur sûre. Ensuite, Imagimorphia. J'en ai sélectionné quatre dedans. Donc, j'ai pris l'Égyptienne. Hein. C'est pas, c'est pas un secret pour personne. Je pense bien la faire. Ensuite, quoi d'autre? Ah oui, j'ai pris le Tigre. Lui, je suis pas certaine. Mais bon, j'en ai fait souvent des tigres, ça pourrait peut-être être pas pire de faire ça, mais c'est pas, ça va pas être mon premier choix. Celui-là, je veux trop le faire. C'est certain que je le fais, celui-là, avec les poissons, l'arc, pas l'arc, le, comment ça s'appelle ça, donc? L'ancre, l'ancre de bateau. J'aurais même pu sélectionner celle-là, hein, j'ai hésité. Mais comme j'avais déjà pris une horloge dans un autre livre, je me suis dit, ben non, je vais y aller avec l'arc. L'arc, c'est pas une arc? L'arche! Non! L'ancre! My God! OK, passons à autre chose. Celui-là, c'est certain aussi que je vais le faire. J'ai trop envie de colorier ce colo-là. Donc, c'est la queue de baleine mélangée avec un octopus. Voilà pour Imagimorphia. Mythic World, j'en ai choisi trois dedans. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, c'est vrai, j'en avais parlé que je voulais faire cette double page-là. Là, pour les doubles pages, je pense peut-être en prendre deux ou trois. Donc, vous allez voir, j'en ai sélectionné plusieurs. C'est pour les repérer, au fond, et je vais aller avec celle qui m'inspire le plus. Donc, celle-là, elle me tente beaucoup. Quand j'avais eu le livre, j'avais vraiment eu envie de la faire et je l'ai jamais faite. Ensuite, j'ai sélectionné le cheval d'eau. Ça pourrait être vraiment cool à faire, mais je suis pas encore sûre pour elle. Et ensuite, j'ai sélectionné le monsieur qui fait du violon dans l'eau. Ça aussi, ça pourrait être cool à faire. Donc voilà, ça c'est pour le Mythic World. Dans Mythomorphia, c'est celui que j'en ai sélectionné le plus parce que c'est mon livre préféré de Kirby Roseanne. Donc j'ai choisi celui-là, le monsieur avec les montagnes. Ça fait longtemps que j'ai envie de le faire et je pense bien le faire en mode hiver. C'est l'idée. Sinon, j'ai sélectionné le petit gnome. C'est presque certain que je vais le faire. Celui-là, c'est une page assez simple à faire. Hein. Ce sera pas très long. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Le dragon de feu. Et peut-être même faire le dragon d'eau à côté. Pourquoi pas? J'ai sélectionné le sphinx. Celui-là, j'hésite beaucoup. Là. Ça se peut que ça soit une des doubles pages que je réalise. Le petit phénix, parce que bon, j'ai des taches dessus, puis là, je veux enlever ça. Donc, j'ai sélectionné lui. J'ai mon Kirin qui a débordé l'autre bord, mais bon, je vais faire un fond foncé pour celui-là, fait que c'est pas trop grave. Mais bon, je l'ai pas sélectionné. Ensuite, dans le Mythomorphia toujours, j'ai sélectionné ben, la grande page ici, en mode un peu paysage de fée. Et celle-là, j'hésite beaucoup, là. Ça se peut que je la fasse. Et j'ai aussi sélectionné le serpent ici, qui est une petite page pas trop longue à faire. Donc voilà pour Mythomorphia. Et le dernier livre que j'ai à vous montrer, où est-ce que j'ai sélectionné des trucs, ben vous avez vu le choix de Maggie, qui était les poissons. Mais j'ai aussi sélectionné l'abeille. Ça fait vraiment longtemps que je veux la faire. Depuis que j'ai fait le papillon, j'avais dit que je voulais la faire, puis je l'ai pas faite, donc je vais faire l'abeille. Probablement certain que je vais la faire. Et je vais aussi faire l'éléphant. Je pense bien le faire celui-là aussi. Donc voilà, c'est un peu ça ma sélection pour mon mois d'avril Kirby. J'espère que vous allez être plusieurs à participer. J'ai hâte de voir vos mises en couleur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des colos aussi qui vous tentent? Pourquoi pas me le dire? Et je vous attends dans le groupe Instagram si jamais vous avez envie de participer à cette activité, on va dire ce défi, hein? Parce que c'est vraiment un défi de faire que du Kirby tout un mois, mais je pense qu'on va vraiment bien s'amuser. On va voir des magnifiques colos parce que Kirby, peu importe le niveau que vous avez, ça peut paraître épeurant comme ça, mais je vous dis, c'est pas si difficile que ça à colorier. Vous avez déjà les ombres que Kirby vous fait. Donc, si vous avez jamais fait Kirby et que vous avez envie de vous lancer, ben pourquoi pas venir me rejoindre dans le groupe Instagram. Je vous le mets en barre d'infos. Je vais aussi vous mettre le hashtag que j'ai créé pour poster vos colorisations.
Vous pouvez aussi les poster dans le groupe, hein, bien entendu. Donc voilà, j'espère que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous avez d'autres questions. Venez me les poser dans le groupe, ça va être plus rapide pour répondre. Donc voilà, moi, j'ai terminé. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à venir me rejoindre dans mon groupe de coloriage, La Banque Colo de Zazou, qui est sur Facebook, ainsi que dans le groupe Instagram. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Ça fait beaucoup de choses à dire. Donc moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!